de la foi, les points les plus significatifs qui m'ont marqué, c'est surtout le fait qu'il y ait ce partage entre le niveau terrain, parce que au niveau du projet capitalisation, donc nous venons du terrain, nous avons l'expérience du terrain avec d'autres organisations, mais aussi avec d'autres niveaux. Donc ça, c'est un premier niveau de points positifs qu'il faut saluer. L'autre aspect, c'est de manière concrète, nous avons vu diverses techniques de partage de connaissances. J'ai retenu le PIRASIS, donc l'assistance par les pairs, qui peut être alliée au Café Mondial, appuyée de dessins, donc le graphisme. C'est des techniques qui peuvent vraiment se combiner pour présenter avec Riva Offline, pour présenter une expérience avec des points forts, avec des points faibles. Donc ça, c'est des aspects qui ont été vraiment marquants et que je retiens et qui sont facilement replicables sur le terrain. Par contre, il y a certains points qui demandent beaucoup de travail d'adaptation au contexte. C'est par exemple quand on présente un exposé sur une page à travers donc un dessin, le graphisme qui résume tout. Tout dessin est réducteur, donc c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas suivi de bien représenter ça et de bien comprendre. Donc ce sont là quelques impressions à chaud que j'ai eues de la foire, à part que il y a plus de 160 personnes, donc combien d'hommes, combien de femmes on va compter pour voir si vraiment on a respecté la parité homme-femme dans la participation à cette foire qui est un cadre de partage de connaissances et qui est adapté à toutes les expériences, je vais dire. Il y a un petit quoi. Ceux qui ne parlent pas anglais ont au début passagé. Il y a eu le chuchotement qui nous a permis et il y a eu certaines sessions qui ont été traduites. Donc ça nous a permis de bien suivre.